Bonjour. Bonsoir. Je viens pour un entretien. Oui, c'est ici, entrez. Asseyez-vous, je vous prie. Bonjour. Bonjour. Oui? Ah bien. Alors vous êtes ici pour le poste de responsable télémarketing. Bien, bien. Avez-vous voyagé dans un continent asiatique ces derniers mois? Non, mais... Cessez de gémir, monsieur. Institution. Bon. Un conseil de professionnel. Préparez vos entretiens à l'avenir. Enfin bon, c'est pas grave. Nous comprenons votre stress. Institution? Mais je m'appelle... C'est sans importance, sans importance. Passons à la suite de l'entretien, voulez-vous? Oui, bien sûr, excusez-moi. Êtes-vous de type au vin? Pardon? Ça y est, il recommence. On vous demande pas la lune, on vous demande si vous êtes de race ovine. Mais ces questions n'ont absolument aucun sens, et de quel droit est-ce que vous... Oui. Êtes-vous de type au vin? Mais non, bordel! Ah bah voilà, parfait! Continuons! Bon, écoutez, si ça... Oui, oui, nous continuons, ne vous en faites pas! J'ai sûrement autre chose à faire de plus important. Ne vous en faites pas, vous avez tout votre après-midi. Nous vous avons libéré. Ouais, nous avons annulé votre rendez-vous chez le dentiste, embauché quelqu'un pour chercher votre fille à l'école et pour nourrir votre chien. Bien. Mais vous avez peut-être d'autres imprévus. Soit, dépêchons-nous. Âge 23 ans. Sexe masculin. Adresse. Oh, moi c'est déjà rempli. Ouais, expérience. Bah mettons livreur et vétérinaire, c'est bien ça. Passe-temps. Patinage artistique, par exemple. Ah, très bien ça. J'ai trouvé ça ce matin. Ça lui va bien. Là, on a une série de cases à cocher. Ouais, pensez à ça. Là. 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 Bien, maintenant nous allons vous entretenir avec Monsieur le Président. Ah, pas de problème, j'ai vraiment envie de le rencontrer. Mais qu'est-ce que vous faites? Peu de tenue, voyons, vous nous trouvez en face du Président. Bien mes respects, Monsieur le Président, nous vous écoutons. Monsieur le Président, c'est complètement absurde. Ça suffit, monsieur Panaché. Comment voulez-vous entendre si vous n'écoutez pas? Bien maintenant, vous allez nous citer, selon vous, trois qualités.
qui vous caractérise. Oui, bon, laissez tomber. On va mettre cactus, tournevis et omoplate. Et trois défauts Parapluie, cravate et clafoutis. Bon, écoutez, en fait, je pense que je suis pas vraiment fait pour ce job. Oui, vous voyez, je suis pas très disponible et en plus, j'ai vraiment un très mauvais caractère. Ce qui est vraiment pas bon pour ce genre de travail où je suis en relation directe avec les clients, vous voyez. Allons, ne soyez pas défaitif, vous en sortez très bien. Signez ici. Mais c'est... Allons, ce n'est pas difficile. Vous avez bien une signature tout de même. Sinon, mettez une croix, ce n'est pas grave. Tant pis, on s'en occupe. On connaît votre signature et nous avons un échantillon de votre sang. Ça ira. Oui, bien sûr. Maintenant, j'aimerais disposer, mon commandant. Cessez d'être stupide. Vous commencez demain à la première heure. Vous aurez une place à côté du patron, à son bureau. Vous passerez les appels pendant qu'il fera semblant de remplir des papiers importants. Vous percevrez un salaire brut de 1 200 € avec possibilité d'évolution ainsi que celle de récupérer votre femme. Hein ? Ma femme ? Eh oui, sous les 5 ans, elle va très bien. À demain, monsieur entretien. Attendez. Attendez.